supprime l'ENA, mais il reste encore 230 grandes écoles sur le territoire français qui pêchent par manque de diversité. La plupart recrutent pourtant par concours, a priori la panacée pour départager sans biais. Un concours est aveugle au bulletin scolaire comme au patronyme des étudiants. Et pourtant, les étudiants des grandes écoles ne ressemblent pas à la population des élèves français. Pour que ces grandes écoles soient plus inclusives, que faut-il changer? À quel niveau de la chaîne? Leur concours d'entrée? L'orientation des collégiens en troisième? Et pourquoi s'en soucier? Ces étudiants des grandes écoles, quel pouvoir économique représentent-ils? On répond à toutes ces questions dans cet épisode parce que le grand écart, c'est voir les différences en un graphe pour aider à penser les bonnes solutions. Les économistes classifient les collégiens en quatre catégories. À une extrémité, les enfants issus de familles dites très favorisées. Ce sont les enfants de chefs d'entreprise, de cadres du privé ou du public, ou d'enseignants. Ils représentent 21% de la population. À une autre extrémité, les collégiens issus de familles dites défavorisées. Ce sont les enfants d'ouvriers, qualifiés ou non qualifiés. Ils représentent 37% de la population. Les enfants issus de familles très favorisées ont 10 fois plus de chances d'intégrer une des 230 grandes écoles françaises que les enfants issus de familles défavorisées. Et 25 fois plus de chances d'intégrer l'une des grandes écoles les plus sélectives comme HEC, Sciences Po, Normale Cachan, l'école des ponts, des mines, l'ESSEC, Polytechnique. Est-ce injuste? Vaste question. Ça dépend de ce qui est à l'origine de cet écart. Ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que deux collégiens de niveau scolaire équivalent, mais d'origine sociale différente, auront les mêmes chances d'accéder à une grande école? Avec la méthode dite de Blinder-Oaxaca, on peut répondre. Elle permet de comparer deux groupes d'individus, ici les collégiens issus de milieux très favorisés et de milieux défavorisés, et de comprendre lesquels, parmi leurs caractéristiques, expliquent leur inégal accès aux grandes écoles. Un collégien fils de cadre a 10 fois plus de chances qu'un enfant d'ouvrier d'intégrer une grande école. Mais seulement 40% de cet écart s'explique par les performances scolaires. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une corrélation entre le fait de venir d'une famille très favorisée et le fait de réussir scolairement. Donc on pourrait dire, c'est normal que beaucoup plus d'enfants favorisés accèdent aux grandes écoles, parce que meilleurs élèves, ils seront plus nombreux à réussir le concours. C'est vrai, mais ça n'explique que 40% de leur surreprésentation. Ça veut dire que la sélection sociale des grandes écoles va au-delà d'une sélection purement scolaire. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que cette partie de l'écart est juste, parce que ça demande probablement moins d'efforts à un enfant très favorisé de réussir à l'école. Il aura peut-être eu des cours particuliers, aura été abonné à plusieurs revues. Mais c'est un élément objectif, les notes obtenues au brevet, qu'on peut isoler. Un autre élément objectif explique une petite partie de l'écart. Les enfants issus de familles favorisées habitent plus proche des écoles. Mais je vous en reparle dans deux minutes. Ça veut dire que les 51% qui restent, c'est l'écart dit inexpliqué. Les économistes Julien Grenet et Cécile Bonneau, co-auteurs de l'étude, nous expliquent que tout un tas de biais orientent différemment deux collégiens de niveau scolaire identique, mais d'origine sociale différente. Ceux dont aucun oncle ou tante n'a fait une grande école auront moins accès à l'information sur ces cursus. Ils seront peut-être moins scolarisés dans les lycées qui les préparent non seulement au bac, mais déjà aux études post-bac. Ils auront probablement un moindre budget pour passer plusieurs concours, pour déménager proche d'une école. Et ils croiront peut-être moins en leur chance de réussir ces écoles. Bref, pour eux, les grandes écoles n'appartiennent pas à leur champ des possibles, alors que c'est l'aboutissement normal du parcours scolaire pour tout un tas d'enfants favorisés. On part du collège parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Au-delà de cet âge, seuls les meilleurs élèves de tout milieu poursuivent le parcours. Et ces barrières financières, géographiques et psychologiques interviennent à chaque étape du parcours d'orientation scolaire. L'écart inexpliqué d'accès aux grandes écoles existe entre deux collégiens de même niveau, mais aussi entre deux bacheliers de même niveau. Ça veut dire qu'il y a de l'exclusion sociale à chaque moment du parcours qui ne s'explique pas par la performance scolaire.
Ça montre que pour obtenir des grandes écoles plus diverses, il y a des mesures à prendre au niveau de l'école, la réforme du lycée est un exemple, au moment de l'orientation post-bac et du recrutement aux grandes écoles. Ce n'est pas vrai de dire que l'inégal accès aux grandes écoles se joue entièrement avant le lycée, comme ce n'est pas vrai de dire que cet accès inégal peut être complètement corrigé en repensant le concours d'entrée aux grandes écoles. La preuve, entre 2006 et 2016, ces grandes écoles ne sont pas devenues plus inclusives malgré plusieurs initiatives. On vous en parle dans le numéro 31 de Pour l'écho. En fait, ce qui m'a étonnée, c'est ce qui se joue entre le bac et les grandes écoles. Il y a deux voies principales pour accéder aux grandes écoles. Intégrer une classe préparatoire ou alors une école post-bac. Les collégiens très favorisés par rapport aux collégiens défavorisés ont 8 fois plus de chances d'intégrer une classe préparatoire et 12 fois plus de chances d'intégrer une école post-bac. Ces écoles post-bac sont donc plus sélectives socialement que les classes préparatoires. Mais plus embêtant, cet écart d'accès aux classes préparatoires s'explique à 56% par les performances scolaires. Alors que ce même ratio tombe à seulement 16% dans les écoles post-bac. Autrement dit, la sélection des écoles post-bac ne s'explique pas par le fait qu'elles choisissent les meilleurs élèves. L'écart tient probablement au coût financier qu'elles représentent. Ces écoles post-bac ouvrent une voie d'accès aux grandes écoles plus sélectives socialement, probablement financièrement, et moins sélectives par la réussite scolaire. Or, ce sont leurs effectifs qui ont le plus augmenté depuis les années 2000. Plus 50% dans les écoles post-bac, contre plus 8% seulement dans les classes préparatoires. On le voit, il y a une corrélation entre le fait d'appartenir à une famille très favorisée et le fait de réussir scolairement et d'intégrer une grande école. Mais il y a des bons et des mauvais élèves partout sur le territoire. Tous les bons élèves n'habitent pas en Île-de-France. Et pourtant. Les collégiens parisiens, par rapport aux collégiens scolarisés hors de l'Île-de-France, ont 3 fois plus de chances d'intégrer une grande école. Et cet écart reste le même quand il est mesuré au niveau du bac, et le même encore pour l'accès aux classes préparatoires et aux écoles post-bac. Un écart de 1 à 3, c'est moins qu'un écart de 1 à 10. Donc l'exclusion géographique est moindre que l'exclusion sociale. Sauf qu'elle s'explique beaucoup moins par les performances scolaires. Elles expliquent 20% de l'écart d'accès aux grandes écoles entre collégiens parisiens et non franciliens, ce qui laisse un écart inexpliqué de 80%. Et ces ratios se maintiennent tout le long de la chaîne. Pour Julien Grenet, cela montre l'importance de l'implantation géographique des écoles comme des prépas. En ouvrir partout sur le territoire demanderait un investissement structurel significatif. Alors, à quand HEC ou Polytechnique à Limoges? Bref, les promotions des grandes écoles ne ressemblent pas aux classes de collège ou aux classes de lycée en France, plus parisiennes et issues de milieux plus favorisés. Et ça ne s'est pas amélioré. Mais après tout, les étudiants de grandes écoles ne représentent qu'un quart des effectifs en bac plus 4, et les étudiants de prépa et d'école post-bac totalisent 13% seulement des effectifs en bac plus 1. Alors, on s'en fiche que ces filières minoritaires ne soient pas inclusives? Précisément pas. Cette portion d'étudiants, c'est justement ceux qui deviendront les directrices et directeurs d'administration, les professeurs des universités qui enseigneront le savoir, les patronnes et les patrons qui embaucheront les Français, les faiseurs de lois, les faiseuses d'opinion, les détenteurs du capital économique, culturel. La minorité des élèves assis sur les bancs des grandes écoles détiendra la majorité du pouvoir économique et du pouvoir décisionnel du pays. Les têtes sont d'autant mieux pensantes qu'elles sont diverses, il reste à l'appliquer. C'est l'étude la plus précise et la plus complète sur le sujet. Elle est beaucoup plus riche que ce qu'on avait le temps de vous montrer, en montrant notamment l'inégal accès aux grandes écoles en fonction du genre.
Malheureusement, les dernières données datent de 2016. Il sera donc très intéressant de voir ce que les mesures prises tant par les grandes écoles que par le ministère de l'Éducation nationale ces dernières années vont changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et rendez-vous pour le prochain épisode.